376 milliards 361 millions de francs CFA. Ce sont les objectifs budgétaires assignés à la Direction générale des impôts et du domaine par l'État selon la loi des finances 2021 qui a été présentée aux administrateurs financiers, aux opérateurs économiques et autres hommes d'affaires ce lundi 22 février 2021 à Brazzaville par le directeur général des impôts et du domaine, Ludovic Hutoa, à l'occasion du lancement de la campagne de vulgarisation de l'instruction d'application des dispositions fiscales de la loi de finances 2021, loi de finances qui s'articule autour de trois axes. Messieurs, aux impératifs du moment, les objectifs budgétaires assignés à la Direction générale des impôts et des domaines au titre de cette année s'élèvent à 576 milliards 331 millions de francs CFA. C'est avec votre concours que nous pourrons relever le défi et atteindre cet objectif. Enclenché, nous pouvons vous rassurer que notre tutelle prend à cœur l'amélioration des relations de travail entre l'administration fiscale et ses partenaires. Toutes ces actions visent à n'en pas douter l'amélioration des performances de l'administration fiscale. Ceci étant rappelé, mesdames et messieurs, la nouvelle loi de finances s'articule autour de trois axes, à savoir l'amélioration du dispositif fiscal, la baisse de la pression fiscale, la création d'un nouvel impôt, j'allais dire d'une nouvelle contribution nommée contribution de solidarité pour la couverture assurance maladie universelle en cycle CAMU. L'amélioration du dispositif fiscal s'est largement inspirée des travaux issus du projet de refonte du Code général des impôts et de certaines adaptations au regard de l'évolution et des mutations de l'activité économique internationale perturbée par la pandémie du Covid-19, le gouvernement et le législateur ont à cœur cette donne et ont, dans la loi des finances rectificatives du 13 mai 2020, décidé de la baisse du taux de l'impôt sur les sociétés relevant du régime du droit commun, passant de 30 à 28%. S'agissant des sociétés relevant du régime forfaitaire, le taux de l'IS a baissé aussi de 2 points, c'est-à-dire de 35% à 33%. Par ailleurs, dans cette lancée de baisse de la pression fiscale, le paiement de la taxe spéciale sur les sociétés au taux de 2% a été supprimé. La loi des finances est l'institution dans notre pays de la contribution de solidarité pour la couverture assurance maladie universelle qui vient combler un vide dans notre système de santé. Voilà, mesdames et messieurs, présenté succinctement les dispositions fiscales de cette loi de finances pour l'année 2021. Cette campagne de vulgarisation de la loi des finances 2021, selon le représentant du ministre, est un nouveau départ dans les rapports qui unissent la communauté des affaires et l'État. Par l'ambitieux programme d'informatisation des structures fiscales, comme l'a si bien rappelé M. le directeur général du TAD. Toutes ces actions visent à l'amélioration des performances de l'administration fiscale. À vous, opérateurs économique qui est l'essentiel dans le travail qui se fera tout au long de l'année, votre civisme fiscal qui n'est plus à démontrer est une fois de plus vivement sollicité. Donc, à bannir les compromissions devant votre devoir civique, je vous exhorte au nom du ministre délégué à jouer pleinement le jeu. Le gouvernement de la République, conscient des difficultés du moment, a baissé de 2 points le taux de l'impôt sur les sociétés et sur les personnes morales étrangères visées à l'article 126 ter, comme l'a si bien dit M. le directeur général du TAD. Et agent de l'administration fiscale, je transmets ici le message de M. le ministre délégué qui vous invite à plus d'ardeur et d'abnégation dans l'accomplissement de vos missions. Les attentes du gouvernement en matière de collecte budgétaire sont immenses. Pour les atteindre,
votre sens élevé du travail bien fait est recherché. Le ministre délégué exige de la direction générale une application rigoureuse des mesures administratives et législatives, un encadrement et un suivi conséquent des cadres et agents à tous les niveaux. Ainsi dit, je déclare ouvert la cérémonie de lancement de la campagne de vulgarisation des dispositions fiscales à la loi de finances de l'année 2021. Je vous remercie. Après ces deux allocutions solennelles qui ont ponctué le lancement de la vulgarisation de l'instruction d'application des dispositions fiscales de la loi de finances 2021, les cadres des finances ont échangé à bâton rompu avec les différents partenaires financiers dans l'objectif d'éclaircir certaines zones d'ombre. Ludovic Dutoit, au sortir de cette activité, a fait pareil devant la presse. L'outil fiscal qu'on a amélioré, et c'est sur les nouvelles dispositions que nous sommes en train aujourd'hui d'expliquer à nos contribuables, à nos conseils, à nos partenaires. Là, à l'intérieur, certaines dispositions qui vont dans le sens, n'est-ce pas, de l'amélioration de l'outil fiscal, c'est-à-dire on tient compte, n'est-ce pas, de l'évolution de la conjoncture économique. On a allégé la tâche des contribuables. On a allégé en supprimant par exemple certains impôts. Et ce qui, par exemple, la TSS au taux de 2%, ça a été supprimé carrément. Ça a été supprimé. Donc maintenant, au niveau de l'IS par exemple, parce que il y a l'IS, le droit commun, dont le taux est parti de. Il est parti de 38%. De 30% à 28%. Ça, c'est au niveau du droit commun. Maintenant, au niveau du régime forfaitaire, le taux est parti de 35 à 33. Donc, on a diminué de 2 points. Des explications qui ont trouvé satisfaction auprès des participants rencontrés dans les coulisses de l'auditorium du ministère des Affaires étrangères et de la coopération.